Le village de Chigoch est situé dans le parc naturel de Lonskopolia, le long de la vallée de la Save. En 1994, la Fondation européenne pour la conservation de la nature, Euronature, a proclamé Chigoch premier village européen des cigognes. Ici, on compte plus de cigognes que d'habitants, ce qui n'est pas pour déplaire aux villageois, car cela amène protection et reconnaissance, mais aussi une indemnisation de l'État. Profitant de l'abondance de nourriture, la cigogne blanche y a trouvé son Eldorado. Elle niche sur les toits des vieilles maisons du village. Cela porte chance d'avoir un nid sur sa demeure. Les maisons en bois de chêne, d'architecture traditionnelle, constituent l'une des autres caractéristiques du village. Elles ont pour spécificité d'être démontables et déplaçables, pour fuir les inondations. La plupart datent du début du XXe siècle, bien que certaines affichent déjà 200 ans d'âge. Il n'y a pas que les maisons qui se détériorent. Il arrive aussi que des cigognes soient malades ou accidentées. At the moment we have around 25 storks in to Zagreb about 30 kilometers from the downtown. 25 cigognes sont actuellement recueillies dans notre centre, qui se situe à 30 km de Zagreb. Nos cages mesurent environ 250 mètres carrés, avec une hauteur de 5 mètres. Les oiseaux ont la possibilité de voler à l'intérieur. Lorsque nous relâchons des cigognes, elles sont capables de reprendre leur liberté. Ce sont les mêmes cigognes qui reviennent chaque année. Mais voilà, par les bagues, ils savent que c'est les mêmes qui viennent. Hein. Les bagues croates sous les cigognes, ils sont en couleur jaune en plastique. So having these yellow rings, starting with number T, and then you have the code. La bague croate est en plastique jaune avec la lettre T et un code. Cela fait 12 ans que ces bagues colorées sont utilisées. Maintenant, vous pouvez voir de nombreuses cigognes avec la bague en métal qui est le standard. Les bagues sont officiellement posées par des ornithologues qui passent des examens de bagages. Les cigognes sont baguées lorsqu'elles sont suffisamment jeunes pour être encore dans le nid. Mais les pattes doivent être assez longues pour recevoir la bague. Généralement, les cigognos sont bagués lorsqu'ils ont 3 semaines. À cet âge, ils sont encore trop chétifs pour sauter du nid. Le bagage est alors exécuté en 5 minutes et c'est la seule gêne qu'ils doivent supporter. Dans la région du parc naturel de Lonskopolia, nous avons pour habitude de baguer environ 100 cigognos par année et quelques autres centaines dans les secteurs environnants. C'est vraiment intéressant de suivre ces migrations et de constater qu'il existe des croisements avec des cigognes d'autres pays et d'autres lieux. C'est très important car cela maintient le flux génétique au sein de la population de Lonskopolia. And we have multiple sightings all along the migration route and also in the villages where they breed. So, and the name of the house where they are born. Yes, and the name address of the house. On peut ainsi suivre la même cigogne d'une année à l'autre et connaître l'histoire de sa vie. De nombreuses informations sont diffusées le long des corridors migratoires et dans les villages où la cigogne se reproduit. Cela permet de connaître l'endroit où elle est née et obtenir les informations sur la cigogne avec laquelle elle s'est reproduite, ainsi que sur les changements de partenaire. Nous tenons également un listing et savons combien de poussins sont nés dans chaque nid et quel est l'indice de fécondité chez les femelles.